Salutations, c'est Cascol, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox, même si ça fait plus d'un an d'absence maintenant. J'ai pas pu faire de vidéo sur la Recalbox puisque j'avais plus vraiment de sujets à traiter en réalité. Et la bonne raison aussi, c'est que j'avais prêté mon Raspberry à un ami pendant une longue période qui a fait tout autre chose avec. Moi, de mon côté, j'avais reformaté la carte SD qui me servait donc pour Recalbox pour faire aussi autre chose. Et là, je me suis donc il m'a rendu mon Raspberry. Et moi, je me suis décidé de mon côté à reformater ma carte SD et à réinstaller la nouvelle version de Recalbox. Ce qui fait qu'on n'a pas eu de vidéo Recalbox depuis un bon moment. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'idée de repartir sur une idée en réalité que j'avais déjà eue. J'avais déjà évoqué ça dans une ancienne vidéo. Je vais tester un jeu, mais sur plusieurs machines pour voir un petit peu lequel était le plus intéressant. On va comparer un petit peu les différentes versions console à la version arcade. Alors on est d'accord que la version arcade est bien sûr la meilleure, mais l'idée c'était de voir qui aurait été le plus content s'il avait eu le jeu en console pour Noël. Celui qui l'a eu en NES ou celui qui l'a eu en Mega Drive. C'est un petit peu ça l'idée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lancer Toki en version arcade pour voir un petit peu l'image de référence, voir l'original. Ensuite, on va lancer la version NES. Ensuite, on lancera la version arcade. Et à la fin, mais là, il y a une petite entourloupe, je vais essayer de mettre la version Amiga. Sauf qu'en Amiga, on n'est pas sur Recalbox, simplement parce que je n'ai pas installé Amiga sur ma Recalbox actuelle. Donc, on testera la version Amiga sur un émulateur qui tourne sur PC. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est parti pour Toki sur arcade. Alors, on commence tout de suite par l'intro. On va aussi regarder l'intro. On va la comparer un petit peu avec les différentes versions. Une intro très courte, mais qui fait le taf. Donc, on comprend que notre petit ami a été enlevé par un sorcier qui nous a maudit, nous a transformé en singe. Mais on va profiter de notre habilité de singe pour aller sauver notre petit ami. Donc, voilà. Assez classique hein, pour l'époque, c'était souvent le carrière, c'était souvent le chevalier qui allait sauver la princesse. C'est exactement ça. Ok, donc là on met un crédit, j'appuie sur Start. On a un petit défilement, une petite présentation des différents mondes qu'on va devoir affronter. Ensuite, on est parti. Alors, je pense pas que je vais jouer très longtemps parce que je suis pas très très bon au jeu de plateforme. C'est pas vraiment ma spécialité. Mais on va avancer quand même histoire de pouvoir comparer le jeu. J'ai perdu une vie dès le début. Bon, là c'était un peu trop tôt. Hein. Normalement, j'avais dit que je perdais une vie et j'arrêtais. Là, j'ai fait n'impe. Je continue quand même un petit peu. Là, on s'est touché cette espèce de. Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, si c'est un nid ou un. Je sais pas. Hop, ouais, le bouton de saut c'est celui-là. Faut pas que je me trompe sinon ça va pas le faire. Hop, hop, je fais n'importe quoi. Mais ça passe, ok. C'est bon. Ok, le dragon. Je continue parce qu'il me semble qu'il y a 4 têtes. Là on en voit que 3, mais il me semble qu'il y en a 4. Ouais, ça devrait être bon. C'est bon, il y en avait bien 4. Hein. Ok, de toute façon, même si je termine le premier niveau, ce qui m'étonnerait quand même, je m'arrêterai à ce moment-là pour pas que ce soit trop long. Bon, voilà, là j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon, allez, on va quand même aller un petit peu plus loin, histoire d'avoir quand même de la matière à comparer. Ce fantôme, bon. Bah tant pis, là je pense que je suis game over. On va donc s'arrêter là. Et je vais pas revenir au menu principal, on va directement passer à la version Mega Drive. Alors, j'ai dit Mega Drive, mais pas du tout, c'est la version NES. Donc on commence tout de suite par l'intro. Bon, évidemment, c'est différent. Mais en gros, c'est la même intro. On comprend exactement ce qui se passe. C'est la même intro, donc là, bon, ça respecte la version originale, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, évidemment, ils ont dû faire des concessions. On ne peut pas faire tourner sur NES un jeu comme ils jouaient sur arcade. Ça, c'est normal. Alors, un player... Stage 1, on va voir la présentation des mondes. On a la présentation des différents mondes. Donc là, encore une fois, ça respecte bien la version arcade. Un bouton pour sauter, un bouton pour tirer, donc ça c'est pareil. Évidemment là en Amiga, ce sera différent puisqu'en Amiga, on n'a qu'un seul bouton. Donc on saute en mettant la manette vers le haut. Ce qui est plus compliqué pour tirer vers le haut parce que du coup, il faut maintenir la touche de tir. Et... Mais... Ah bah là j'ai perdu un cœur.
On a des cœurs en version NES qu'on n'avait pas en version arcade. Ils ont un petit peu simplifié. Ils nous laissent une chance de plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Peut-être qu'en... Il y a peut-être un niveau de difficulté réglable. On sait peut-être changer ça. Pour l'instant, c'est exactement le même niveau. Bon, évidemment, on est d'accord, c'est moins joli, mais c'est le même niveau. Je pense que ceux qui avaient une NES à l'époque et qui étaient fans de ce jeu sur arcade devaient être très contents donc, de recevoir ce jeu pour Noël chez eux. Noël, peu importe. Hein. On comprend ce que je veux dire. Alors, ici, le chariot ne bouge pas. Et donc 3 têtes, je tire encore un petit peu plus, mais en S je ne suis pas sûr qu'ils vont tenir compte qu'il y a une cible en dehors de l'écran. On va vérifier tout de suite. Ah, j'ai quand même eu celle-là, c'est bizarre, et je ne sais pas voir celle-ci par ici. Okay. Pour l'instant, c'est plutôt pas... Même au niveau des couleurs, hein, je trouve que ça respecte... Bon, c'est des couleurs simples, hein, mais ça respecte quand même pas mal le truc. Voilà. Lance-flamme. Ici, il y avait le petit Ah, j'ai été touché, zut. Est-ce que je recommence là? Je voudrais voir le petit fantôme qui m'avait touché tout à l'heure. Il me semble qu'il m'avait touché. Voilà. Bon, je vois pas le fantôme, mais je l'ai peut-être touché en tirant vers le haut. Ok. Alors lui, il faut lui sauter dessus. Voilà. Pour récupérer ça. Et ben pour l'instant, c'est le même niveau, j'ai pas grand chose à dire. Ok, bon, là j'ai encore des crédits, mais je vais quand même m'arrêter là, sinon ça va être vraiment très très long. On passe maintenant vraiment à la version Mega Drive. Alors, cette fois-ci, ça commence directement par l'intro. Qui a l'air plus longue, en tout cas, plus longue qu'en NES. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est... Oui. C'est bien le même jeu, donc notre fiancé se fait enlever. Nous, de notre côté, on se fait transformer en singe. Et voilà. Donc là, on est parti. Ok, start, un player... Graphiquement, ça va. Les couleurs, c'est autre chose. On a déjà un triple tir dès le début, ou un double, un triple tir. Oh, le singe est lent. Le singe est lent. Les couleurs, c'est quand même... c'est choquant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Alors, moi, je comprends que les développeurs doivent faire des concessions pour refaire un jeu d'arcade, mais là, ça n'a rien à voir avec des concessions. J'ai l'impression que c'est pas le même jeu. Ils ont complètement modifié le niveau. Le début ressemble un petit peu, on a la vague d'ennemis qui passe juste au-dessus, avec cet ennemi-là au sol. Et ensuite, ça n'a plus rien à voir. On va quand même essayer d'avancer un petit peu plus loin. Là, je me suis quand même fait avoir bêtement. Ok. Hop, on peut toujours sauter dessus, donc ça, c'est quand même bien. Après, le jeu, c'est pas pour ça qu'il est pas bien. C'est juste que si on cherchait quelque chose de très proche de la version arcade, là, on n'y est pas. C'est un autre jeu. Peut-être que si on a apprécié la version arcade et qu'on joue à celui-ci, on peut peut-être le considérer comme une suite ou un nouveau défi en tout cas. Oula, fin du niveau. On va continuer un petit peu parce que là je suis un petit peu perturbé, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi qui termine un niveau de Toki, même nimp. Ok. Ah, ils ont gardé le truc des Sestones, donc pourquoi pas. C'est dommage parce que le truc avec je trouvais ça sympa, moi, avec le masque, le casque, pardon, de football américain, tout ça. Bon, là, ils l'ont pas gardé. Oh, c'est un trou, c'est un trou. Avec des picots. J'avais pas vu, on voyait pas les picots. Ok. Donc maintenant, je sais qu'il y a des picots. On va voir un petit peu plus loin. Oh, pff. On a combien de vies en version
Il n'en a plus qu'une, je crois. C'est marqué en dessous, Juju. Une. Je crois que c'est ma dernière vie. Faut que je fasse attention. On a envie de sauter, mais il saute haut, même quand c'est pas nécessaire. Ok. Non, le picot c'était un peu plus loin. C'est ici les picots. Et normalement si je fais ça je peux même les voir, ok. Ouais ça c'est traître. Hein. Ok, donc c'est pas fini. Écoutez. Bon c'est pas grave, je vais quand même m'arrêter là et on va tenter la version Amiga. Alors, donc, ça commence bien par une intro, tout comme en arcade. Elle est plutôt sympa, d'ailleurs. Bon, oui. On est quand même là sur une version qui est très, très proche de la version arcade, autant que je sache. Ah, voilà. Par contre, oui, c'est vrai qu'en Amiga, on a des temps de chargement. Ensuite, on a la présentation des différents mondes. Donc là, exactement la même chose qu'en arcade. Je vais appuyer sur... Non, pas Star, on peut pas, évidemment. Là, ça, c'est le menu de mon émulateur. Vous inquiétez pas, ça fait pas partie du jeu. On est sur FSUA. Oh, c'est parti. Par contre, évidemment, il y a une différence. Au niveau des manips, ça risque d'être dur de se réhabituer à ça. Donc ici, bon, pour sauter, je dois mettre la manette vers le haut. Ce qui fait que pour tirer vers le haut, je dois d'abord commencer à tirer. Et ensuite, je peux orienter mon stick dans la direction souhaitée. C'est très particulier de sauter avec la manette, surtout quand on a pris l'habitude de faire autrement. C'est surtout ça, parce que quand je jouais à Diana Sister... Par contre, Diana Sister, c'est un jeu de plateforme, j'ai adoré ce jeu. J'ai déjà fait des vidéos dessus, d'ailleurs, parce que un jeu que j'aimais vraiment bien, avec plein de passages secrets, que je trouvais super sympa. Alors, le coup du casque, exactement comme en arcade et en NES, donc ça, ça fait plaisir, c'est resté. Ok, lui, on lui saute dessus, là, on tire, hop, on se fait propulser... Ah, le casque a déjà disparu. On va déjà tirer là. Ça a déjà été fait. On a du temps? Oui, on a du temps. Merde, je vais pas trop traîner. J'insiste un petit peu parce que je ne sais pas si je touche ceux du dessus. Donc j'insiste un peu, voilà. Je vais avancer. Je vais tirer ici aussi. Ah! C'est ce que je disais. Pour tirer... Il faut d'abord commencer à tirer devant soi et ensuite orienter le stick vers le haut. Si on met le stick en haut, ben on saute. Bon, je pense que c'est bon. Ok, j'avance. Je fais plus la même connerie. Je tire et ensuite je m'oriente vers le haut. Je peux peut-être me mettre un poil plus loin. Oh, c'est pas possible. Oh non, non. La maniabilité est bonne, hein, c'est vraiment moi. J'ai juste pris l'habitude de la version arcade ou de la version NES, où on a deux touches et du coup ça change tout. Mais il est parfaitement jouable avec une seule touche. Il faut juste que je perde cette habitude à la con. Donc je tire et j'oriente vers le haut. Je vais plus bouger, je vais juste le laisser faire un petit tour comme ça. Ok, j'avance. On remarqua au passage que le chariot est mobile, il ne l'était pas sur NES. Ok. C'est là qu'on va voir en bas s'il y a le fantôme ou pas. Je vais attendre d'abord que le crabe repasse. On va d'abord détruire le crabe. On saute, on tire ici. Ici, on fait attention au singe. Et on doit sauter, mais j'ai appuyé sur un bouton pour sauter. Le problème, c'est que normalement, en Amiga, on n'a qu'un seul bouton. Mais moi, sur ma manette, j'en ai plein des boutons. Ok, on saute. Là, il y a le fantôme qui doit apparaître. C'est bien ça. J'ai encore voulu tirer vers le haut. J'ai sauté. Je n'y arriverai pas. Ça va. Ça va pas être possible. Allez, on saute. On tire vers le haut. Ça, c'est difficile, ça. Du coup, ouais, c'est quand même plus compliqué. Parce que là, je dois déjà commencer à tirer. Ok, je l'ai eu direct, là. One shot. À mon avis, j'ai fait la même chose en S. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu. Alors là, il doit y avoir l'espèce de singe zombie qui va apparaître. Qui va me permettre de choper mon bonus. Ok. Comme en S, en vrai. En fait, total... cohérence en S entre la version NES et la version arcade. Je pense que
Ceux qui avaient eu ce jeu-là à l'époque devaient être vraiment contents. Ah là, j'ai été touché sûrement par un débris de l'araignée. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'était Toki sur NES, sur arcade, sur Mega Drive et sur Amiga. Eh bien, je suis vraiment étonné de la version NES. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !